Apprendre des versets bibliques aux enfants est toujours un moment familial particulier. Moi, salut, le nom Jésus. Jodia, moi, je voulais adresser avec parents, yo. Moi, je voulais adresser avec vous-même qui gagne une responsabilité. C'est vrai, vous avez pas pour gagner petite. Et moi, j'espère que vous pourrez gagner petite. Et même les tout rive nan âge encore ou pas lever petit encore, mais moi espérer ou toujours a fait faute avec Timon petit. Alors c'est peut-être ça jodi a moi vle parler ensemble avec vous pour me dire ou doit apprendre Timon yo des bons bagages, ou doit apprendre Timon yo verset. Alors c'est peut-être ça jodi a et c'est de ça moi pral parler avec vous jodi a. Pourquoi ne pas profiter de cette pause estivale pour commencer à familiariser vos chérubins avec quelques petites phrases clés? Peut-être, en pile fois, les parents, yo gen petit yo, y ap leve, yo pa jam vle leve timoun yo avec des mots clés, avec des bagay importants, avec des bagay kapab ede ou de demain, qui capable aider ou errer demain. C'est ça que fait. Je dis à moi vle tout parent qui pas prend responsabilité yo envers petit yo. Je dis à moi déclarer au nom de Jésus que nous pas prendre responsabilité nous envers petit nous. Prendre responsabilité yon parent envers petit li pas dit c'est le bal manger ou bal bre ou l'école. Ça pacifie et ça pacifie et dans responsabilité. C'est ça que je dis. Moi vinn di ou que il y a des bagages importants, il y a des mots clés, il y a des bagages essentiels ou doué d'accord pour apprendre petit tout pendant l'ap grandi. Comme pour la prière essentielle pour son éveil à la foi. L'enfant peut être familiarisé très tôt avec les versets bibliques. Éduquer un jeune à mesure de son développement. Jamais il ne déviera même l'âge venu. Souligner ainsi les versets des Proverbes 22, verset 6. Ces passages lui permettent de connaître ce que Dieu pense et ce qu'il attend d'eux. De le mettre en pratique au-delà des moyens ludiques, jeux, chants, dessins, petites histoires. Les n'appelé Timounio nan kay la. Alors c'est yon bel bagay. Les yon Timoun appelé li leve ensemble avec maman et puis ensemble avec papa. C'est vrai la vie a kon bay Timounio des surprises. Yo kon leve sans maman yo ou bien yo kon leve sans papa yo, ça veut dire kon gen yon incident ki passe nan fami lan yo kapab perdi yon. Mais gen lot incident ki kon vraiment grave nan fami lan, c'est là yon maman li pran yon petit li pa kon papa. C'est là yon maman pran petit papa pa d'accord pour occuper, papa pa d'accord pour prendre responsabilité ya. Ça veut dire li lage ti moun sa avec yon sel bois, li lage ti moun sa avec yon sel pied. Mais m'a dit ou même qui yon papa ou même qui pa prend responsabilité petit tout, c'est vrai. Échec la pas simplement pour petit là, échec la pas simplement pour ou. Mais m'a dit échec la pour petit tout, la pour maman, c'est vrai, la pour société a aussi. C'est ça que fait jodi a moi vle pour tout parent yo, moi vle et pour tout moun en soi, même les ou te chrétien, même les ou te vodouisan, d'accord pour prendre responsabilité et petit tout, d'accord pour prendre responsabilité et ti moun ou genyen. Là ou prend responsabilité ti moun ou genyen, ça veut dire ou prend responsabilité pays ou. Ou prend responsabilité société ou prend responsabilité communauté ou. C'est ça que les ti moun yo ap leve, nou wè si tou nan pays étranger, les ti moun yo ap leve, yo toujours d'accord
Les petits moun nan l'âge de 2 ans ou bien de 1 an 1 à 5 ans, yo toujours grand moun yo toujours d'accord pour yo bat petit moun yo des jouets pour petit moun yo jouer, commencer jouer avec yo ensemble des bagages, ça permet l'esprit petit moun nan l'ap développer plus vite. Nous avons en pile une famille qui néglige ça, qui néglige bay ti moun yo chant et pour yo chanter nan ka la. Et moi félicite toute famille aussi qui d'accord, qui prend responsabilité yo pour yo bay ti moun yo chant. Parce que moi kon gade à travers Facebook, à travers YouTube, comment ti moun yo y a chanté. Et les ti moun yo a chanté ces bagay merveilleux. Et nous, l'école, les petits moun nan fait rentrer l'école, nous sa mademoiselle la toujours bat ti moun nan fait dessin, hein, fait ti moun nan dessiner, hein, fait ti moun nan dessiner, et puis bat ti moun nan des histoires, des belles histoires, et ka fait ti moun nan ri et puis ka capter l'esprit ti moun nan. Alors c'est ça que fait moi conseille chaque parent, chaque famille d'accord pour prendre responsabilité un petit tout. D'accord pour prendre responsabilité un petit enfant qui a gagné. Si vous pas d'accord pour prendre responsabilité le jour d'hier, ou bien pour regret, communauté a gagné pour regret. C'est vrai qu'il y a un pile parent qui toujours dit bon, c'est aller pour aller et qui met les. Même les petits moun se yon kidnappé, même les se yon volé, même les pas devenir rien dans la société, ya, ça pas utile moins rien et ça pas vous êtes moins rien. Mais m'a toujours dit d'accord pour prendre responsabilité aux amis. Et là d'accord pour prendre responsabilité dans la famille là et pour prendre soin de ti moun nan. Normalement pour apprendre ensemble des bagages, pour apprendre des versets bibliques. Et c'est vrai, c'est plus belle bagaille lorsqu'il y a un petit moun de capable de 3 ans vivre à l'âge de 5 ans ou commencer à apprendre la parole ou commencer à apprendre la parole bon Dieu ou commencer à apprendre la vérité pas apprendre ti moun yo bay menti pas apprendre ti moun yo gen un bagay dans société a que nous ignorer en pile depuis les ti moun yo piti et nous rend ti moun yo gros nèg nous rend ti moun yo pa gen sa ki rele la kayo obéissance. Nou rann ti moun yo pa gen sa ki rele la kayo pardon. Et alors mwen konseye ou an tanke yon fami, an tanke yon moun ki gen responsabilité, an tanke yon leader nan fami la, pran responsabilité ou pou kapab gen yon bon ti moun, pou kapab gen yon moun serye, yon moun ki important nan sosyete ya, epi nan kay la.